La 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 la. Eh oui, re-bienvenue. Alors, je sais pas si vous avez suivi le stream précédent. Ah, c'était un shmup sur du dragon. Eh ben, on reste dragon. On va dire que en ce moment, c'est fashion le dragon. Tout le monde veut des dragons. Il faut s'habiller en dragon, des bijoux dragon, de la musique de dragon aussi. C'est un style à part. Et donc, 1987, Namco et IRM se tirent la bourre autour de ce thème. Et donc, voilà qu'on nous sort ce titre qui je l'espère, va être bien jouable, vu que celui d'IRM était vachement sympa et vachement plus moderne, entre guillemets, entre nous, en comparé. C'est parti, paye ta thune. Dragon Spirit, j'espère que tu envoies du steak. On s'en fout, on voit. Ah, le scénario, c'est super important dans un shmup. Hey! T'avais retrouvé le sabre de Star Wars, t'es allé faire le con avec sur une montagne, t'as pris un éclair, tu t'es transformé en dragon, quoi. Que je m'applique à faire mourir. Ah, j'ai les bombes. Donc c'est le principe à la Xevious, on va dire. Donc un tir en l'air et un tir pour essayer de choper au sol ce que je viens de rater, c'est-à-dire un 9 qui aurait dû peut-être avoir un bonus. Salut! Alors. On va pas bien avancer, moi, je pense, dans ce stream. Parce qu'apparemment, c'est un jeu. C'est l'époque des shmups où c'était de la mémoire. C'est-à-dire, avant du réflexe, tu vas mémoriser les trucs bien chiants qui vont apparaître. Histoire d'avoir un petit poil de place pour faufiler ton dragon. Parce que vous voyez que les gars, dès qu'on les laisse un petit peu faire, ils en peuvent plus. C'était bien un bonus qui était planqué là-bas. Ça va un poil mieux, mais là, les mecs au sol, ils rigolent encore. Hein. Alors, donc, c'est des espèces de chauves-souris, d'accord? Parce que ça fait très crabe hein, quand c'est en position au sol. Ça vous fait pas le même effet? Eh oui, Evie! C'est un poil tendu. Je ne le cacherai pas. Et mon super bonus de tir n'était valable qu'un petit moment. De là à dire que je me suis fait en pas fait. Ouais, je me suis carrément fait empaffer. Mais c'est quoi cette merde de tir de mes purées de boulettes pour. Mais putain, mais même ça, je peux pas l'avoir, quoi. Ça y est. Infirmière, piqûre, je refais un syndrome joueur du grenier. Ah, ça va mieux, merci. On y retourne. Hop, j'ai fini. Je peux pas continuer parce qu'on était au deuxième niveau, là. Fred, je pense à toi, j'ai mal. Bah, va falloir que je meuble pendant 2 minutes sans jouer, quoi. Non, mais je veux pas le refaire, ce jeu. Il me plaît pas, puis je lui plais pas non plus, et je voudrais pas le forcer, ça s'appelle un viol mental, sinon. Hey, la force toute puissante, Shazam! Hey, mais je suis un dragon! Super. Comment ça, je démonte bien un jeu quand il me plaît pas? Oui, tout à fait. Alors là, sur ça, on va être totalement d'accord. Faut dire que moi, à l'époque, qu'on achetait ça sur cartouche, déjà, bah, c'était pas moi qui achetais, donc j'avais pas ce que je voulais. Comme tous les enfants normaux du monde. Et puis, quand on avait la console, et puis que. Pour nous faire plaisir, des fois les parents nous faisaient une surprise alors qu'on était les seuls aware de ce qui était bon ou pas bon, et qui nous ramenaient ce genre de truc à la baraque. Alors, en général, au bout du troisième jour, ils comprenaient qu'ils avaient fait une erreur fatale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils retrouvaient la cartouche toujours rangée. Or, un gosse, je vous rappelle, s'il s'active autour de certaines choses, ça fout le bordel autour de ces choses. Et une console qui a une cartouche qui est bien rangée, comme les parents l'ont préconisé, c'est un énorme signe, quoi. C'est même plus un signe, là, c'est un gyrophare. Et c'est vrai que ce shoot, il est raide du fion. Enfin, j'ai pas l'expression adéquate pour en parler. Vous avez remarqué que depuis que je dis des conneries, que je m'occupe plus du jeu, du coup, je joue bien en plus. Donc, c'est qu'il y a un problème. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de m'appliquer. J'ai fait que de la merde. Là, je parle en même temps, ce qui en général
me fout dans la panade dans les jeux. Et au miracle, je passe. J'aurais jamais dû aller là-bas. Non, les plantes vertes sont des salopes. Allez hop, ça c'est fait, c'est dit. Les plantes vertes, moi, je les bouffe. De toute façon, tout ce qu'il y a sur cette planète, l'humain le bouffe, c'est fait pour. Sinon, il n'y a aucun intérêt à ce que ça existe. Regardez le pétrole, ça se bouffe pas, c'est chiant. Comment ça, c'est un mauvais exemple? Ok. Reprenons. Alors, Fire. Il est où mon Fire, bordel? Il doit bien exister quelque part dans une dimension. Putain. J'ai dû rater un bouton. Il doit me manquer des boutons sur la manette. Parce que je dois vous indiquer quand même que dans les streams émus que je vous ai fait, il y a quand même quelques shoots qui utilisent plus de 4 boutons que je n'avais pas mappé. Et sur lesquels j'ai dû être super médisant. Du coup, là, le stream, il doit en être une demi-heure. Bon. Waouh, un boss? For me? Just for me? Alors, oui, il y a du travail, hein. C'est pas mal foutu. Mais... il manque la cohérence quelque part, je sais pas, le je ne sais quoi. Et oui, c'est la fabuleuse expression. Putain, tu me saoules, toi. Mais tu me gonfles. C'est même plus que tu me gonfles, là. J'ai envie de partir. Je vais poser la manette, je vais me casser. Tiens. Hey, crevez. Non? Remets-moi le du début et... ouais, va crever. Mais va crever, truc de merde. Oh là là. Non, mais voilà. Le jeu est assez ancien, et c'est normal qu'il ait plein de défauts. Et que ça occulte aujourd'hui totalement ses qualités. Et faut le remettre voilà, dans le contexte, lui donner sa chance. Ceci dit, rejouer aujourd'hui à ce genre de titre, vous avez vu, je prends pas vraiment mon pied là. Je suis obligé de m'occuper l'esprit à autre chose, parce qu'il n'y a pas de challenge boulette réel. C'est surtout... c'est vrai que les premières générations de shmup, c'était de l'envahissement par les vaisseaux, pas par les boulettes. Et je sais pas si vous avez remarqué l'évolution, plus on a avancé dans les évolutions de shmup, bah, on a eu une quantité de vaisseaux qui a pas réellement évolué. Par contre, la quantité de tirs que vous avez à l'écran, il n'y a qu'à voir les Manic Shooters qui sont sortis les 10 dernières années, c'est assez faramineux, quoi. Donc voilà, je crois que je vous ai résumé un des grands secrets de cuisine du shmup qu'on peut étudier backstage. Sur ce, on ne va pas insister plus longtemps sur ce Dragon Spirit qui vaut ce qu'il vaut, remis dans son contexte, qui aujourd'hui n'apporte pas une jouabilité qui est plaisante, voilà. J'ai bien résumé correctement la chose, et qui mérite toutefois d'être dans la collection de quelqu'un qui est passionné. De là à le valider, non, ça n'est carrément pas possible, quoi. Et il porte le lourd fardeau de l'ignorance de certaines choses de son époque. Mon Dieu, mais quand je fais des phrases belles comme ça, j'ai juste envie de pleurer. Je vais vite aller chercher des mouchoirs jetables et on se retrouve pour un autre stream. Je vous embrasse, à tout bientôt.